Je veux t'adorer, Jésus, 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 je veux t'adorer, Jésus
Yeah.
appelé le nom du Seigneur, reste dans cette même atmosphère. Le Seigneur est déjà présent. Amen. Tu vas commencer à bénir son Saint-Nom. Lui rend toute la gloire. Être reconnaissant. De t'avoir permis d'être présent aujourd'hui. Pendant que d'autres sont en train de se pavaner dehors, dans les maquis, toi qui es dans sa sainte présence, toi qui es ici présent, pour passer ce moment dans sa présence, pour avoir une intimité avec lui, pour avoir un échange avec lui, pour entendre sa parole, pour pouvoir le louer, l'adorer, le célébrer. Tu as la chance, toi, il t'a choisi, prédestiné depuis, avant même la création, en ce jour précis pour que tu puisses l'adorer. Commence à lui dire merci. Commence à être reconnaissant. Commence à parler à ton Dieu. Lui dis merci parce qu'aujourd'hui, tu as encore le souffle qui vit en toi. Lui dis merci parce qu'encore aujourd'hui, il t'a permis aujourd'hui encore de pouvoir avoir la santé, de pouvoir marcher, de pouvoir de pouvoir entendre, de pouvoir être capable de te pouvoir, de pouvoir être capable même d'avoir des échanges avec des personnes vivantes comme toi. C'est une grâce qui n'est pas méritante. C'est une grâce qui n'est pas méritante. Commence à le bénir, commence à l'exalter, commence à l'honorer, commence à l'élever, parce qu'il a fait encore plus grand dans ta vie, en te donnant à toi d'être présent pendant que d'autres sont couchés dans les hôpitaux. Si tes lits est capable de bouger, est capable de faire quoi que ce soit, est capable de pouvoir même dire un mot, mais toi tu es capable de parler, tu es capable d'entendre, tu es capable de faire des choses que d'autres n'ont pas cette capacité. Commence à bénir son nom. Commence à lui dire merci. Commence à élever son Saint-Nom. Toi qui as la force en toi. Toi qui es capable aujourd'hui de pouvoir être assis ici. De pouvoir être arrêté dans sa présence. De pouvoir l'adorer. De pouvoir le louer. Donc on n'a pas cette chance. Non, tu n'as pas cette capacité. Mais toi, je lui dis, ce n'est pas un hasard. Dans le temps qu'il a fait, lui-même étant le temps, l'éternité, rien ne fait au hasard. Si tu existes, ce n'est pas un hasard. Bénis ton nom. Bénis son Seigneur. Parce qu'il a voulu ici. Il t'a choisi. Du milieu des nations, il t'a choisi. Du milieu des peuples, il t'a choisi. Il a mis sur toi son sang. Il t'a aimé. Et il t'a permis aujourd'hui d'être là. Bénis son nom. Dans tes prières, il les a tous entendus. Il a veillé sur toi. Il a veillé sur ta famille. Il était présent. Et il est encore présent pour toi et pour toutes choses que tu demandes. Il les accomplit les uns et les autres. Il les accomplit une par une. Toutes tes supplications, toutes tes imprécations, tout ce que tu nous demandes, il les accomplit par amour pour toi, parce qu'il t'a choisi. Parce que tu es la prunelle de tes yeux. Parce que tu es importante à tes yeux. Parce que tu es important à tes yeux. L'Éternel, je demande une chose. Remerciement à l'Éternel des armées, à l'étoile du lion du matin, au rocher des âges, à celui qui n'a ni fin de jour, ni commencement de jour. Il te demande aujourd'hui, quel remerciement. Quel remerciement. Il ne t'a pas demandé de l'argent. Il ne t'a pas demandé des pierres précieuses. Il ne t'a pas demandé de pierres d'hélas. Il ne t'a pas demandé de montage. Il ne t'a pas demandé de pierres. Ce qui est précieux de l'âme. Dieu, aux yeux des esprits, mais je demande ces choses. La reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. Venez dès que ce soit. La reconnaissance. Venez dès que ce soit.
Un cœur humble, la reconnaissance. Sois reconnaissant. Pour tout ce qu'il a fait, il te demande la reconnaissance. Il te demande simplement d'être reconnaissant. Bénis son nom. Dis-lui merci. Il a été fidèle. Les années se sont écoulées. Les jours sont passés. Mais tu es encore fidèle. Tu es encore fidèle. Dieu vivant. Parce qu'il est un Dieu de vivant. Il n'est pas un Dieu de mort. Il t'a permis d'être vivant. Tu lui merci. Sois reconnaissant. Aujourd'hui, en fait, ton Dieu. Sois reconnaissante. Aujourd'hui, en fait, ton Seigneur. Regarde tout ce que tu as traversé. Regarde tout ce que tu as enduré. Il y a même personne pour t'accompagner dans ce chemin périlleux. Il y a même personne pour te soutenir. Il y a même personne pour te donner le secours quand tu demandais de l'aide. Quand tu te travaillais de la souffrance, il n'y avait personne, mais lui, l'Éternel, lui qui est compatissant, lui qui est miséricordieux. Accepter de te porter dans sa main. Malgré que tous t'ont rejeté. Ta famille t'a rejeté. Tes amis t'ont rejeté. Tes camarades t'ont rejeté. Tous ceux à qui tu as mis ta confiance. Ils t'ont tous rejeté. Et tu as crié à lui. Tu as demandé si tu existes. Viens mon secours, viens soulager ma peine, ma douleur. Il a compris, il a entendu, et depuis même, avant même que tu dises ce mot, il les entendait, il les venait, il t'a soutenu, il a tué tes larmes. Aujourd'hui, tu es dans sa présence, il te demande ce secours. Reconnaissance. Ils sont pas appropriés pour il te est dire, là. Seigneur, combien il sera là. Toujours. Mais nous te disons merci. Mais toi, reconnaissance. Reconnaissance. Dis-lui merci. Pour te dire notre remerciement, Seigneur, de nous combattre. Même nos vies de chacun, Seigneur. Même notre prière, mon Seigneur. Nous ne sommes pas assez suffisants, Seigneur. Pour te dire notre remerciement, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur. Pour bien prier, Seigneur, de nous combattre. Je pourrai payer le prix, Seigneur, de ta compassion, de ta compassion, de ta compassion, de notre regard, Jésus. Nous combattre. Nous avons aimé, Seigneur, l'Éternel. Tu sais que nous t'aimions en retour, Seigneur. Tu nous as aimé le premier, Seigneur. Dans le péché, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Aucun remerciement. Aucun remerciement. Aujourd'hui, c'est cette occasion. Je remercie.
affamé, Seigneur, nous assurer dans le nom de Seigneur. Oh Dieu, tu sais, nos vêtements ne se sont pas usés sur nous, Seigneur. Les choses ne se sont pas usées sur nous, Seigneur. Nous avons relevé, Seigneur, les dernières. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans cette même disposition. Le Seigneur dit que c'est lui qui justifie. Alors toi qui es ici, étant dans sa sainte présence, tu vas commencer à te répondre. C'est un lieu saint, sa présence. Alors quand tu rentres dans la présence du Seigneur, nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement pour quiconque. Alors tu vas commencer à demander pardon, Seigneur. Pour tous les péchés que tu as commis, avant même d'arriver ici, tu as eu à te quereller avec des personnes. Non pas physiquement, mais ton cœur les a attachés par de simples injures. Tu vas commencer à te répondre. Tu vas demander pardon, Seigneur, pour tous tes péchés, pour toutes tes iniquités, pour toutes tes mauvaises pensées. Commence à demander pardon, Seigneur. Commence à lui demander pardon pour la haine qui sévit encore dans ton cœur. Malgré que tu es en train de se sauver. Vrai chrétien, mais ton cœur est encore rempli de rapines, rempli de mensonges. Tu as ouvert les lèvres et la fausseté en est sortie. Tu vas lui demander pardon pour ces choses. Que tu traînes sans cesse, après même d'être passé à la douleur. Tu as vu toi-même les brèches que tu couvres, toutes ces plaies, tous ces péchés. Demande-lui aujourd'hui pardon. Et promets-lui de ne plus répondre à ces choses. Demande pardon au Seigneur. Dis-lui d'avoir pitié de toi. Demande au Seigneur Jésus d'avoir compassion de toi. Ou la colère encore. Si j'en pense, que toi-même tu connais, mais par lequel tu t'es laissé, et qui s'est vu encore dans ta vie, au point où tu n'as plus le contrôle, demande-lui pardon. Ou la méchanceté de ton cœur. Tu as des choses dont tes frères et tes sœurs ont si grand besoin. Tu ne les utilises pas, mais tu refuses de partager. Tu
Tu as préféré garder cela pour toi. Et tu regardes tes frères, tes soeurs en train de souffrir. La méchanceté. Je garde, je reste encore en toi. Mais l'Éternel veut ôter ce fardeau. Simplement en te demandant de te répondre. C'est pourquoi, quand tu te réponds, ne le fais pas du bout des lèvres. Ne prenons pas ce moment pour dormir. Car ce moment, le Seigneur le regarde comme précieux. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon, ne prends pas ce moment. Comme un jeu. Ce n'est pas un jeu. Réponds-toi sincèrement. Et par la miséricorde de ton Dieu, c'est ta vie. Car tu es encore dans le cœur de manque d'amour. Jésus, tu possèdes même tous les gens, toute la puissance, tu n'as pas l'amour, les corps et les mains, une cymbale qui ressort. Demande pardon, Seigneur, pour le manque. Il est Dieu d'amour. Alors toi, son enfant, tu dois refléter sa personne. Mais il n'y a pas d'amour en toi. À cause des multiples blessures que tu as durées pendant la vie. Aujourd'hui, l'Éternel veut te déchargir. Et qui t'empêche de pouvoir faire convenablement son œuvre. Demande-lui d'ôter de ta poitrine ce mauvais cœur. Demande-lui pardon. Réponds-toi. Réponds-toi. La cupidité en remplit à vie de guerre, cherchant à posséder tout. Sans bien. Que l'Éternel s'occupe de tout déjà dans ta vie. Mais tu as posé ton cœur et ton regard sur les choses mortes, des hommes qui s'attachent à l'argent, des choses vaniteuses, et ces choses t'ont attiré. Et tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à ta richesse. Réponds-toi. Pour toute cupidité, réponds-toi. Demande au Seigneur d'avoir compassion de toi. Demande au Seigneur d'avoir pitié de ton âme. Pitié. Si vous-même êtes capable, vous n'êtes pas capable d'ajouter une seule goutte, une seule goutte à la durée de votre vie. Pourquoi vous inquiétez? L'Éternel se charge de tout. Mais par des inquiétudes, vous avez ouvert la porte au péché. Par ton inquiétude, tu as ouvert la porte. Demande pardon, Seigneur. Comme s'ils sont
Seigneur Jésus, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie à toi. Je t'en supplie pour moi et toi. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. 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 Nous sommes pardonnés au nom de Jésus. Tu vas demander au Seigneur Jésus, par son sang, de laver tous tes péchés, de les effacer de devant ta parole, de les mettre dans l'oubli. Demande au Seigneur de te purger par son sang. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Déclare le sang de Jésus pour effacer toutes tes iniquités. Demande au Seigneur de purger ta robe par son sang. Cette robe blanche pour les jours des noces que tu as sali. Dans le nom de Jésus. Comme il t'a pardonné. Réclame ton sang. Nous vivons que nous avons vaincu notre ennemi. Par son sang. Dans le livre d'Apocalypse 12, le verset 11. Le sang de la victoire. Car nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. D'avance, par son sang, réclame ce merveilleux sang. Il a versé pour nous, afin de te laver. Couvre-toi de son sang maintenant. Demande au Seigneur de laver ton cœur par son sang. Ce sang qui est versé à la croix. De laver ton esprit par son sang. De purifier ton âme par son sang. Demande de te renouveler. Regarde le sang de Jésus. Je vois le sang de Jésus, le sang qui est versé à la croix de Golgotha, le sang qui est versé pour mes péchés, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas clamer fortement le Seigneur. Tu vas te lever et acclamer le Seigneur Jésus.
Soyons fortifiés. Amen. Maintenant, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Pendant que vous êtes en train d'attendre, vous n'attendez pas tous. Les anges aussi attendent. Amen. Vous êtes précieux. Tu es précieuse. Amen. Tu es précieuse. Amen. Jésus. Amen. 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 Le Seigneur nous dit dans sa parole qui siège dans la louange. Amen. 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 On va louer le Seigneur. Amen. On va louer le Seigneur. Soyez fortifiés. Amen. Soyez fortifiés. Vous savez, nous qui avons cette chance de pouvoir louer, ne prenons pas cela comme Dieu. Même si je suis dans ma partie, le Seigneur prend plaisir. Alléluia. Alors je vais louer. Amen. Amen. Nous sommes vivants. Amen. Les morts n'ont pas cette chance que nous avons. Amen. Oui. Soyons fortifiés. Amen. On va louer un peu du Seigneur. Alléluia. Il ne m'a jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours beau. Avec moi, il ne m'a jamais laissé tomber, il est toujours avec moi, il ne m'a jamais laissé tomber.
Babylon,
Babylone est tombée. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est le moment. Les temps sont venus. Nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas te disposer, tu vas recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de disposer ton cœur. En fait, que cette semence qui est la parole qui va se prendre le bon fruit pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Viens te disposer, dispose ton cœur, ton âme, ton esprit, tout esprit de distraction. Tu vas vouloir les enlever tes pensées, tu vas manipuler tes pensées. Pour ne pas. Je commence le moment avec les mains du Amen. Alléluia. Amen. Acclame le roi de gloire. N'est capable de rien et de nous enseigner, de nous reprendre, de corriger en nous ce qu'il y a à corriger et de nous nourrir de ta parole. Viens prendre le devant et que la chair se taise à jamais. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'entend bien? Amen. 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 On aura aujourd'hui une petite exhortation. Très petite. Mais je t'en prie, il faut être disposé afin que le Seigneur t'ouvre l'esprit
pouvoir comprendre les paroles qui seront dites. Amen. Amen. D'accord. Cette exhortation, petite certes, mais va parler sur ce thème. Et ce thème, c'est presse ta bouche. Amen. Amen. Presse ta bouche afin de ne point te souiller. Amen. Presse ta bouche afin de ne point te souiller. Alléluia. Avant d'aller plus loin, on va prendre nos épées. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, à partir du verset 16, j'aurais besoin d'un lecteur. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 16. Oui. Et Jésus dit. Et Jésus dit. Vous aussi. Vous aussi. Êtes-vous encore sans intelligence? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas tout ce qui... Attention, lis encore, prends ton temps, ne te presse pas. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre. Oui. Puis est jeté dans les lieux secrets. Puis est rejeté dans le lieu secret. Oui. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Et c'est ce qui souille l'homme. D'où notre thème, ce dont on avait parlé. Presse ta bouche afin de ne point te souiller. Alléluia. Amen. On va aller un peu plus loin. Continuez là où vous étiez arrêté. À partir de ce verset. Continuez. Le verset 19. Oui. Non, pas le verset 19. Pas le verset 19. Le verset 18. Oui. Mais ce qui sort de la bouche. Mais ce qui sort de la bouche. Vient du cœur. Vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Et c'est ce qui souille l'homme, oui. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc, quand tu parles, tout ce qui sort de ton cœur comme mauvais, l'expression manifestée, ce que tu vois, la cupidité, les mauvaises pensées, les injures, la colère, l'insomnie, les querelles, la mésentente, la méchanceté et tout ce qui est lié à une seule origine. Et cette origine, c'est le cœur. Amen. Amen. Continue. Amen. Amen. Les qui font notre exhortation aujourd'hui, il faut presser ta bouche. Il faut mettre la main sur ta bouche. Il faut la retenir. Pourquoi? Parce que le péché se touche à ta porte. Mais toi, tu dois dominer sur lui. Alléluia. Amen. Donc, tu es constamment sur un terrain miné. Comment? Parce que tu es sur la terre. Et sur la terre, nous, enfants de Dieu, nous sommes perpétuellement en guerre. Alléluia. Amen. Pas une guerre simplement physique, mais une guerre aussi qui est spirituelle. Alléluia. Donc, le diable use de tout ce qui est voie et moyen pour que toi, tu tombes. Mais tu tombes comment? Ta chute est liée à quelque chose. Ta chute est liée simplement à une seule chose, ta bouche. J'ai dit de suivre cette petite exhortation très, 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 de manière très concentrée. Ta bouche est le point clé par lequel le diable veut agir. Amen. Tu dois donc la presser. Veiller à ses moindres vibrations. Veillez à ne même pas l'ouvrir quand il le faut. Amen. Il faut la presser. Pourquoi? Parce que la bouche est liée à ton cœur. Ta bouche est liée à ta survie. Parce que si tu tombes dans ces différents péchés que nous venons de citer, automatiquement, tu souilles ton être. Par ce petit instrument qui est devant toi, devant ta face, une fois que tu l'ouvres et il y a quelque chose de mauvais qui sort dedans, tu es souillé automatiquement. Alléluia. Amen. Continue.
mais manger sans être lavé les mains. Le Seigneur te dit que tu manges pour tout. Tu manges du riz. Tu manges tout ce qui se trouve que tu as, que le Seigneur t'a donné d'avoir. Mais le fait que tu manges, c'est que tu mets dans cette même bouche et qui descend dans tes entrailles, ça ne te suit pas. Ça n'a pas d'effet négatif sur toi. Au contraire, ça nourrit ton corps. Amen. Amen. Mais il y a un effet reverse. Reprenez encore un peu plus haut. Mais manger sans s'être lavé les mains. Manger sans s'être lavé les mains. Cela ne suit point l'homme. Ça ne te suit pas. Mais toute parole que tu fais sortir de ta bouche, c'est ça qui va te souiller. Alors, quelles sont les paroles qui sortent de toi, ta bouche? Analyse ta vie. À longueur de journée, tout ce que tu dis, tous les actes que tu commets sont intimement liés à ta bouche. Parce que même tes réflexions font sortir des mots. Et ces paroles, vous vous rappelez, on a eu déjà une petite exhortation auparavant, parlant de la bouche aussi du cœur. Alléluia. Ces paroles que tu vas faire sortir de cette bouche extérieure vont prendre naissance du cœur. Mais le cœur, lui, sa bouche donne d'autres paroles. Et quand ces paroles ne sont pas propres, quand tu ne mets pas cette pression qu'il faut sur la bouche, ces paroles vont sortir. Et quand elles sortent, elles ont un effet, elles ont une conséquence. Et même les personnes autour de toi le constatent. Si c'est bon, ils vont te dire c'est bon. Parce que si c'est mauvais, ça sent. Comment ça sent? Les paroles ont une odeur. Et cette odeur, c'est quoi? C'est que les personnes qui sont là ont des oreilles. Et l'oreille représente le nez. Il va capter ces paroles. Il va les filtrer. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Ou est-ce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu? Quand ces paroles sont captées par la bouche, par le nez de l'oreille, automatiquement, quand c'est mauvais, la personne est blessée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut donc que tu veilles à chaque chose que tu dis. Il faut donc que tu fasses attention à tout ce qui sort de tes lèvres. Amen. Amen. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous, quoique nous disons être dans la sainte doctrine, il y a des mésententes. Et si ces mésententes se font savoir, ça signifie que ta bouche n'est pas propre. Amen. Amen. Ce qui en ressort, ça sent mauvais. Comment? Ça blesse. Comment? Ça heurte. Comment? Ça agit pas pour unir, mais pour séparer. Amen. Amen. Presse ta bouche un peu. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 30. Le verset 32, à partir du verset 32. Proverbe 30, à partir du verset 32. Oui. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, oui. Et si tu as de mauvaises pensées, oui. Mets la main sur la bouche. Attention. On rit le tout encore. Reprenez encore ce qui est dit. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie. Le Seigneur parle dans sa parole d'orgueil. Ensuite. Et si tu as de mauvaises pensées. L'orgueil lié aussi à la pensée. L'orgueil poussant l'homme à avoir de mauvaises pensées. Oui. Mets la main sur la bouche. Comment donc faut-il que je mette ma main sur ma bouche alors qu'il est mentionné orgueil et mauvaises pensées? C'est parce que tout est intimement lié. Alléluia. Amen. L'orgueil, les mauvaises pensées, la cupidité, les meurtres et tout ce qui est cité vont dépendre d'une seule chose. Et cette chose, ta bouche. L'orgueil peut se manifester. La mauvaise pensée peut se manifester. Et toutes ces choses peuvent agir. Mais si la bouche est fermée, tous ces cycles-là, point fin. Alléluia. Amen. Donc, sur ta bouche, il y a la vie et il y a la mort. Amen. Amen. Et le Seigneur te dit, mon enfant,
Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Presse donc ta bouche. Il faut la fermer. Quand il le faut. Amen. 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 Parce que l'orgueil naissant du cœur ne peut s'exprimer si tu fermes la bouche. Et c'est la bouche physique, mais aussi la bouche de ton cœur. Pourquoi? Il faut les presser toutes les deux. Parce que si tu as fermé déjà la bouche de ton cœur, la bouche physique, physique. Alléluia. Amen. Continue ta lecture. Le verset 23. Oui. 33. Car la pression du lait. Car la pression du lait. Pourquoi faut-il presser la bouche, la fermer? La pression du nez, oui, produit du sang. Mm-hmm. Et la pression de la colère, mm-hmm, produit des querelles. Alléluia. Amen. Donc, même chose que pour la bouche. Quand il s'agit de la colère, si on presse tout dessus, c'est pas là qui en sort. Amen. Mais pour le cas de la bouche, quand tu la presses, c'est le calme. Alléluia. Amen. C'est ton être qui est carrément changé. Amen. Amen. Tout comme l'insensé, le Seigneur le dit dans le Proverbe, quand même il est calme, il paraît sage. Amen. Le silence. Quand tu fais donc cette pression sur ta bouche, ton silence te rend sage. Ton silence t'enseigne. Ton silence va amener le Seigneur à te conduire sur une nouvelle pente, la voie de la sagesse. Car le sage parle peu. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Mais comment vas-tu arriver à cet état de crainte si tu parles tout le temps? C'est pour ça qu'il nous dit encore dans sa parole que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Amen. Tu es dans une course. Et cette course demande que toi et le péché soyez écartés, séparés, éloignés. Mais il y a cette brèche qui est sur toi que tu dois contrôler. Amen. Amen. Et c'est ta bouche. C'est ta bouche tout le problème. C'est ta bouche même qui a fait que tu as eu des divisions avec tes parents. Parce que quand ils font des réunions contre toi, si tu n'avais pas parlé, est-ce qu'ils allaient répliquer? Non. Si tu t'étais tu, est-ce qu'ils allaient te dire tu es impoli? Non. C'est parce que tu as ouvert la bouche. Presse donc ta bouche. Il faut fermer la bouche quand tu le faut. Amen. Amen. Il faut absolument que tu analyses ta vie. Et que tu règles ce côté-là. Parce que même quand tu vas te retrouver, même dehors dans le monde, la hiérarchie du monde, selon cette pensée qu'ils ont, un homme, quand il arrive devant une autorité plus grande que soi sur terre, n'est-ce pas? Mais tu parles beaucoup. Donc tu es la propre source de tes problèmes. C'est toi qui es l'origine de toutes ces choses. Simplement, il faut commencer ce petit exercice. Et tout va changer. Et ce petit exercice, c'est quoi? Le Seigneur t'a révélé cela aujourd'hui. La pression de la bouche. Il faut maintenant fermer la bouche. De ta bouche, que naissent toutes les difficultés que tu endures. Quand tu te dis que tu as calomnié, pourquoi? Parce qu'on t'a vu, ta soeur qui était assise. Parce qu'on t'a vu un frère. C'est ta bouche le problème. Mais la bouche peut être contrôlée par personne. Personne ne peut la contrôler. Voici un fait aussi. Alléluia. Amen. Personne n'est capable de contrôler la bouche.
Une seule personne en est capable. Mais cette personne-là est déjà en toi. Romains 6, le verset 4 dit que si nous sommes en Christ, étant ensevelis dans sa mort, dans sa résurrection, nous sommes de nouvelles créatures. Étant nouvelle donc créature, tu n'es plus comme l'homme ancien, mais tu es une nouvelle personne. Fais à l'image que Christ attend. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il te demande de te renouveler par l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est Jésus. Amen. Mais Jésus te dit que celui qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, moi et mon Père, nous demeurons. Christ donc étant en toi, et toi étant une nouvelle créature, maintenant, tu as la capacité de contrôler cette bouche. Non pas par ta force, non pas par tes capacités, mais par Christ qui vit en toi. Qui amène pas à la mort, qui amène à la bénédiction et non à la malédiction. Maintenant, tu peux presser cette bouche. Maintenant, tu peux la contrôler. Maintenant, tu peux agir différemment. Parce que Christ est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Oh. À cause de ta manière de parler, tu n'arrives pas à rentrer dans la grâce du Seigneur Jésus. Parce que les paroles qui sortent dans nos bouches des fois, c'est comme épée. Lorsque ça sort dans ta bouche, ça pique le cœur de ton frère. Or la Bible dit quoi? Ne sois pas une occasion de chute pour ton frère, pour ta soeur. Alléluia. Amen. Or lorsque, ce fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à rentrer dans la grâce du Seigneur Jésus. Parce qu'on aime accuser l'autre. On ne regarde pas nous-mêmes la faute qui est en nous. Mais on regarde, on aime accuser l'autre. Parce que c'est lui qui a fait. Alléluia. Amen. Au lieu de reconnaître tes faiblesses et crier au Seigneur Jésus, on aime accuser l'autre. Parce que c'est lui qui a fait, je me suis mis en colère. La Bible dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais la colère est permis. Mais toi qui vas aller au ciel, même si tu es énervé, ce n'est pas utile pour toi. Tu ne dois pas te mettre en colère. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas prêcher de ouvrir ta bouche. Oh, la Bible dit quoi? Celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Mm-hmm. Lorsque tu veilles sur ta manière de parler, tu gardes son âme, ton âme. Mais si tu ne veilles pas sur ta bouche, tu détruis ton âme. Parce que cette bouche, cette parole qui va sortir dans ta bouche, après ta mort, c'est les paroles qui vont te juger. Et que ces paroles-là que l'ennemi va prendre pour pouvoir pour faire quoi? Pour te captiver. Pour t'empêcher de rentrer dans ta grâce.
de rentrer dans ta bénédiction. Donc, à compter de ce jour, il faut savoir, faut contrôler ta bouche. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Une parole douce fait quoi? Calme la fureur. Lorsque la personne est énervée, lorsque la personne se met dans un état, lorsque tu sais comment l'appeler, tu as contrôlé ta manière de parler, tu vas voir que ça ne va pas envoyer discours. Mais elle a dit quoi? Une parole douce fait quoi? Insiste la colère. Mais parce qu'il m'a fait ça. Pourquoi il peut me parler ça? Mais regarde Jésus. Jésus, quand ils sont venus l'attraper, il dit parce qu'ils ont giflé, donc ils ne peuvent pas accomplir la mission à laquelle il est venu sur la terre. Parce qu'ils ont attrapé, ils ont chicoté, donc il ne va pas accomplir la mission à laquelle il est venu sur la terre. Non. Quel que soit ce qu'ils ont fait, il sait qu'il est venu pour accomplir une mission. Donc il n'est pas regardé ce qu'ils ont fait. Mais il allait jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens au Seigneur, tu sais que je viens pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Parce que tu ne vas pas rester sur la terre pour l'éternité. C'est pour un temps. Donc, quel que soit ce que ton frère, ta soeur va te faire, tu dois faire quoi? Tu dois le pardonner. Amen. C'est en ce moment que tu peux avancer. Amen. Parce que ta manière de parler, la colère va faire quoi? Va te faire reculer. Si tu veux avancer, il faut veiller sur ta bouche. Il faut veiller sur ta manière de parler. Il faut veiller sur ton cœur. C'est en ce moment que tu peux avancer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit quoi? Le projet qu'il a formé pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais aujourd'hui, on dit on est en Christ. On s'est dépouillé. Mais toujours c'est nous qui pleurons. On pleure même que ceux-là même qui sont dans la voie large. Parce que quoi, tu connais la vérité, mais tu ne pratiques pas la vérité. Lorsque tu connais la vérité, tu dois faire quoi? Tu dois mettre ça en pratique. Amen. C'est à ce moment que tu auras la gloire, tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu connais si tu ne le mets pas en pratique. Le Seigneur ne peut pas te exaucer. Même bouche, tu vas prendre pour insulter ton frère et tu vas arrêter. Tes mots sortent. Tes mots là-bas te disent, moi et toi, on était ensemble de suite là. Mais ta manière de parler, comment tu peux chasser un démon? Comment tu peux prier et puis les liens de famille peuvent briser? Oh, le Seigneur dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Donc, lorsque tu ne veilles pas sur ta bouche, tu ne peux pas prier pour veiller sur ton âme. Parce que c'est la prière qui protège nos âmes. C'est la prière qui dérive nos âmes. Mais si la bouche est souillée, comment tu peux prier? Si ta bouche est souillée, comment tu peux prier? Et tu vas t'arrêter. Oh, au nom de Jésus, je te le donne. Sors! Il va te dire, départis où? Vaut mieux de ne pas prier. Là, tu vas dire, au nom de Jésus, sors! Tu ne peux pas sortir. Bien aimé. Amen. On n'est pas venu, on ne vient pas au Seigneur à cause de la richesse. Alléluia. Amen. Beaucoup viennent à l'église. C'est pour avoir l'argent, c'est pour avoir le travail, c'est pour avoir le mari. Alléluia. Amen. C'est pour avoir. Il dit heureux l'homme qui ne maille pas selon les conseils des méchants. Alléluia. Amen. Si mon frère, si moi je suis content, quand je prends plaisir à la loi de Dieu, est-ce que si mon frère m'a parlé mal, est-ce que je suis obligé de lui répondre? Amen. Lorsque tu. Quand on dit tu prends plaisir à quelque chose, mec, lorsque, parce que tellement tu as envie de voir la chose, mais si on te dit faut marcher ici, 5 minutes pour aller au marché. Tu vas marcher pour aller sans te rendre compte. Parce que tu prends plaisir à ça. Lorsque tu prends plaisir à la loi, les commandements de Dieu, lorsque on te dit ça là, tu ne dois pas faire, tu sais automatiquement, puisque tu as envie de voir le Seigneur un jour, donc tu dois faire quoi? Mais si tu le mets en pratique, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Ça veut dire que tu ne sens pas. La chair va parler, mais la chair ne doit pas prendre au-dessus. Parce que nous ne sommes pas conduits par la chair. Amen, amen. Amen. Nous ne sommes pas conduits par la chair. Donc, lorsque la situation se présente, pour dominer, tu dois faire quoi? Tu dois demeurer dans la prière. Lorsque tu connais le faiblesse de ton frère, ce n'est pas pour aller l'exposer, ce n'est pas pour aller le critiquer,
qui va régler le problème. Non. Mais depuis que tu l'as critiqué, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu parles, qu'est-ce qui a changé? Rentre dans le lieu, c'est qu'il faut prier pour lui. Lorsque Amen. Tu pries pour lui, le Seigneur fait pour toi aussi. Amen. Amen. Ah, yeah, yeah, yeah. Lorsque tu pries pour lui, le Seigneur fait pour toi. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Ecclésiastes 5, verset 1. On va prier. Ecclésiastes 5, verset 1. Partie des versets. Ils ne sont pas en classe. Hein? Ecclésiastes 5, verset, à partir de verset 1. Délis. Oui, tu peux le lire. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Le Seigneur dit quoi? Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Lorsque tu vois la chose là, ferme ta bouche un peu. Alléluia. Amen. Il faut réfléchir deux fois avant d'ouvrir ta bouche. Ce que je vais dire, est-ce que quand cette parole va sortir dans ma bouche, est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce qu'il va apprécier ça? Est-ce que ça ne va pas le casser? Est-ce que ça ne va pas le blesser? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On prend les engagements. Puis que tu as envie de fêter, tu as pris l'engagement. Tu es pressé, tu as ouvert ta bouche devant le Seigneur. Non, je vais faire telle chose. Maintenant, le moment va arriver, tu n'es pas fait. C'est du péché. Bien-aimé, tu ne peux pas voir la gloire du Seigneur. Non, ton frère est venu voir. Non, je vais le faire. Mais le moment va arriver, tu n'es pas fait. Bien-aimé, c'est du péché. Lorsque tu prends un engagement, il faut honorer. Oui, il faut continuer. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel. Car Dieu est au ciel. Et toi sur la terre. Et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Bien-aimé, il faut parler un peu nombreux. Bien-aimé, ne parle pas trop beaucoup. Alléluia. Amen. Par ta manière de parler, le monde des ténèbres arrive à opérer dans ta vie. Toi tu veux faire un projet, tout le monde doit savoir. Alléluia. Amen. Par ta manière de parler, arrive un moment où tu ne devais pas parler, tu as parlé là-bas. Où tu devais garder le secret. Tellement tu aimes parler. Tu as parlé sans te rendre compte. Sans te rendre compte. Tellement tu aimes parler. Il y a des paroles qui vont sortir de ta bouche. Après que tu vas te rendre compte. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Ça là, je ne devais pas lui dire. Mais c'est déjà trop tard. Oui? Continue. Au verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, oui. La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Au verset 3. Oui. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Combien de fois tu as fait les vœux et puis tu n'as pas pu accomplir? Seigneur, je vais prendre un moment de jeûne. Cette semaine, je vais prendre un moment de jeûne. Je vais prendre un moment de jeûne 5 jours. Mais tu es arrivé 3 jours, tu dis non, il faut que je couvre. Après, je vais faire le reste. On dit quand tu fais un vœu devant le Seigneur, lorsque tu dis Seigneur, voici ce que je vais faire, n'étale pas à l'accomplir. Alléluia. Parce que si tu n'as pas accompli, c'est du péché. Après la mort, c'est ce verset-là qui va t'accuser. Qui va t'empêcher de rentrer dans le royaume. Donc lorsque tu fais un vœu, lorsque tu dis voici ce que je dois faire, lorsque tu ouvres ta bouche, c'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Avant d'ouvrir ta bouche, analyse maintenant ce que tu veux faire. Est-ce que ça là, d'ici, dans 2 jours, est-ce que je peux le faire? Lorsque tu as l'assurance, tu es sûr de toi que tu peux le faire, maintenant tu peux parler. Et tu, pour parler, on fait comment? Tu dis au Seigneur, ah Seigneur, voici ce que je vais faire. Mais il faut me donner la sagesse de le faire. Amen. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Amen. Donne-moi la force de terminer le vœu que j'ai fait.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. Car il n'aime pas les insensés. Car il n'aime pas les insensés. Oui. Accomplis le vœu que tu as fait. Accomplis les vœux que tu as fait. Mieux vaut pour mieux toi vaut ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne mets pas à ta bouche. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ah, alléluia. Amen. Donc si lorsque ton corps est souillé, est-ce que ton âme peut aller au ciel? Non. Il dit ne permets pas ta bouche de faire pécher ta chair. Lorsque ta chair est souillée, ton âme est dans le danger. Alléluia. Amen. Lorsque ta chair est souillée, ton âme est dans le danger. Ta manière de parler, ça fait que ton âme est dans le danger. Et tu ne peux pas prier et le Seigneur va exaucer ta prière. Puisque tu aimes parler, peut-être ce que tu entends dire, c'est des commérages. Parce que tu dis ça, parce qu'il faut parler. Et après, tu ne vas pas le faire. Le Seigneur ne sait pas. Donc, il ne peut pas exaucer. Mais lorsque tu es sincère, tu es ferme sur ta décision, lorsque tu ouvres ta bouche, le Seigneur te répond automatiquement. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclame Jésus. Acclame le roi de gloire. Acclame le ressuscité. La Bible déclare, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse obtient la miséricorde. Amen. Lorsque tu connais tes erreurs, tes fautes, tes faiblesses, c'est en ce moment que tu peux demander pardon, Seigneur. Alléluia. Amen. On ne demande pas au Seigneur. Quand tu demandes pardon, Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, je demande pardon, mais donne-moi la force de ne pas retourner dans mes vomis. Alléluia. Je ne demande pas pardon pour que demain je vais revenir encore là-dessus. Non. Je demande pardon pour abandonner, comme l'a dit dans l'île des 2 Chroniques 7, verset 14, dit quoi? Sur le peuple inquiétant son nom, t'humilier, prier, chercher sa face et détourner de ses mauvaises voies. Amen. Il exaucerait des cieux. Alléluia. Et son oreille sera attentive à ta prière et il va te guérir, il va te délivrer. C'est pourquoi tu vas prendre position d'humilité. Tu vas demander pardon au Seigneur. Toutefois que tu, par ta manière de parler, tu as blessé ton frère. Ta manière de parler, tu as prêché contre l'Éternel. Ta manière de parler, ton âme est souillée, ton esprit est souillé. Par ta manière de parler, oh, lorsque ton frère te voit, ta soeur te voit, il est découragé. Demande pardon, Seigneur. Bien-aimé, on prend ça, tu ne prends pas ce moment à la légère. Parce que la Bible déclare, l'homme n'est pas le maire de son sou pour pouvoir le retenir. Tu n'as aucun puissance sur le jour de la mort. Tu ne sais pas que ce soit là, mais la mort peut te visiter. Mais bien-aimé, lorsque tu es sincère, le Seigneur va te pardonner. Bien-aimé, demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Toutefois que tu as eu à dire des paroles déshonnantes, les présenteries, les commérages, les calomnies, la haine, demande pardon, Seigneur. 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 Pour toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche. Qui a détruit ton âme. Demande pardon, Seigneur. Les paroles déshonorent. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Dieu, Seigneur, de te pardonner. Dieu, Seigneur, de te donner la force de veiller sur ta bouche. Dieu, Seigneur, de te donner la force à veiller sur ta bouche. À ta manière, à contrôler ta manière de parler. Dieu, Seigneur, je te donne la force à veiller sur ta bouche, ta manière de parler. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur.
ta manière de parler. Là où tu as blessé ton frère, par ta manière de parler. Là où tu as blessé ta soeur, par ta manière de parler. Demande pardon, Seigneur. Là où tu as découragé ton frère, par ta manière de parler, demande pardon, Seigneur. Là où les paroles déshonorent, les présentés, les commérages, les insultes qui sont sortis de ta bouche, demande pardon, Seigneur. Les critiques, demande pardon, Seigneur. 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 Dis au Seigneur, pardonne-moi. Par ma manière de parler. Seigneur, pardonne-moi. Là où, Seigneur, j'ai détruit la vie de mon frère. Par ma manière de parler. Là où les paroles des injustes sont sorties de ma bouche. Là où j'ai critiqué. Là où j'ai calomnié. Seigneur, je te demande pardon. Demande pardon, Seigneur. 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 Alléluia. 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 On se tient debout. On va faire une petite prière. On se tient debout. On va faire une petite prière. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Ce soir, mais voici devant toi. Seigneur Jésus. Je ne suis pas digne de crier ton nom. Je ne suis pas digne de m'écrier vers toi. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tout péché que j'ai commis par ma manière de parler. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ma manière de parler. Pardonne-moi. Là où j'ai péché contre mon frère, je te demande pardon. Là où j'ai péché contre ma soeur, je te demande pardon. Là où j'ai péché contre tes commandements, tes lois, tes ordonnances, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Souviens-toi de moi selon ta grande miséricorde. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Donne-moi la force à veiller sur ma bouche. Donne-moi la force à veiller sur ma bouche. Parce que tu as dit dans ta parole, celui qui veille sur sa bouche garde ton âme. Seigneur Jésus, je ne veux pas détruire mon âme à cause de ma manière de parler. Je ne veux pas aller en enfer à cause de ma parole. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi toutes les paroles insensées qui sont sorties de ma bouche. Je te demande pardon. Oh Dieu, aie compassion de moi. Je reconnais que la loi est bonne, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que j'ai haï. Seigneur Jésus, si je le fais, si je le fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Seigneur Jésus, aie compassion de moi. Aie compassion de moi. J'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Seigneur Jésus, accorde-moi le pouvoir à veiller sur mes lèvres. Accorde-moi le pouvoir à veiller sur ma bouche. Accorde-moi le pouvoir à veiller sur mon cœur. Accorde-moi le pouvoir à veiller sur mon âme pour ne pas tomber de la boue du péché. Seigneur Jésus, là où je suis tombé, relève-moi. Là où je suis tombé, relève-moi. Là où je suis tombé, à cause de mes péchés, relève-moi et pardonne-moi. Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas à cause de mes péchés. Ne m'abandonne pas à cause des critiques. Ne m'abandonne pas à cause des murmures. Ne m'abandonne pas à cause des calomnies. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Tous tes regards
vers moi. Tous tes regards vers moi. Je ne veux, je n'ai personne. Je n'ai personne. Il n'y a que toi. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Je ne veux pas aller en enfer. Accorde ma manière de parler. Seigneur Jésus, aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie pitié 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 de moi. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Selon ta grande miséricorde, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Seigneur Jésus, je te fais connaître mes faiblesses. Seigneur Jésus, je te fais connaître mes péchés. Je ne te point cacher mes péchés. Seigneur Jésus, aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardon mon cœur. Pardon mon âme. Pardon mon esprit. Pardon mon corps. Pardon mes pensées. Pardon mon cœur. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour la colère, pour les murmures, pour la calomnie, pour la haine. Là où il y a la haine, avec mon frère, par ma manière de comporter, j'ai détruit la vie de mon frère. Par ma manière de me comporter, j'ai tué mon frère. Je sais que je suis un meurtrier. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Parce que tu as dit dans ta parole, celui qui met en colère, celui qui se met en colère contre son frère, contre sa soeur, est un meurtrier. Seigneur Jésus, je suis meurtrier. Je te demande pardon parce que je me suis mis en colère contre mon frère. Je me suis fâché contre ma soeur. J'ai critiqué mon frère. Seigneur Jésus, pardonne-moi. 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 Aie compassion de moi. 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 Toutes les paroles déshonorantes qui sont sorties de ma bouche, les présenteries, les commérages. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Les paroles de malédiction, les paroles de condamnation qui sont sorties de ma bouche, je te demande pardon. Là où j'ai maudit mon frère, là où j'ai maudit ma soeur, je te demande pardon. Là où j'ai dit des paroles de malédiction, les injures qui sont sorties de ma bouche contre mon frère, contre mes enfants, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi. 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 Je déchire mon cœur devant toi ce soir. Je déchire mon cœur devant toi. Ne m'abandonne pas à cause de mes péchés. Seigneur, si tu me trouves digne ce soir, Seigneur, descends ton sang. Vous me lavez, vous me purifiez, vous me sanctifiez, vous me lavez. Réclame le sang de Jésus de te laver. Réclame le sang de Jésus de te laver. Dieu Seigneur, de te laver de toutes les perversions, de toutes accusations, toutes les condamnations. Liez les paroles qui sont sorties de ta bouche. Liez les péchés que tu as commis. Demande le sang de Jésus de te laver. Demande le sang de Jésus de te purifier. Demande le sang de Jésus de te sanctifier. Demande le sang de Jésus de te laver. Là où tu t'es dit, là où tu t'es vu, en nuit ensemble, demande au sang de venir te vertir de ton sang. Que son sang vienne te laver, que ton sang vienne te purifier, de te sanctifier. Réclame le sang de Jésus. Je réclame le sang de Jésus. Parce que la Bible d'Apocalypse 21 déclare, nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. Réclame le 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 sang de Jésus. Que ce sang te lave. 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 Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je me tiens dans ton sang. Et je déclare tout point de contact, toute faiblesse de ma vie soit brisée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, déverse ton sang sur mon âme, sur mon esprit, dans mon cœur, dans mon esprit, pour me laver, pour me purifier, pour me sanctifier. Que ton sang vienne ôter tout celui, toute saleté, toute imperfection. Suis mon âme, suis mon esprit, suis mon corps. Viens me laver, viens me purifier, viens me sanctifier. Par ton sang, par ton sang, lave-moi, par ton sang, purifie-moi, par ton sang. La Bible déclare, la Bible d'Ézéchiel 36, verset 25, tu as dit dans ta parole, tu répandrais sur nous ton eau pure. Seigneur Jésus, répands sur moi cette eau pure pour me laver de tous tes idoles, de toutes abominations,
de tous ces suies, de toutes ces condamnations. Viens ôter cela par ton eau pure. Que cette eau pure me lave, me purifie, me sanctifie, me nettoie de tout suie. Lave-moi par cette eau pure. Lave-moi par cette eau pure. Lave-moi par cette eau pure. Nettoie-moi. Nettoie-moi. Nettoie mes mains. Nettoie mes pieds. Nettoie mes lèvres. Nettoie ma bouche. Nettoie mes yeux. Nettoie mes oreilles. Nettoie mes pensées. Nettoie mon cœur. Nettoie-moi. 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 Seront livres de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Seigneur Jésus, lave mon corps, lave mon âme, lave mon esprit, irréprochable, irrépréhensible. Irréprochable, irrépréhensible, mon corps, mon âme, mon esprit, lave-les, irréprochable, irrépréhensible, irréprochable, irrépréhensible. Seigneur Jésus, regarde ma vie. S'il y a un péché en moi, qui va faire que Seigneur, si tu viens ce soir là même, Seigneur, je ne vais pas partir avec toi. Je t'en supplie, enlève-la à moi. Enlève-la à moi. Brise-la, Seigneur, par ton sang. Détruis-la par ton sang. Détruis-la par ton sang. Détruis-la par ton sang. Détruis-la par ton sang. Seigneur Jésus, la Bible déclare, lorsque tu marchais sur l'eau, oh, tu as ordonné Pierre de venir, Seigneur. Lorsqu'il a commencé à s'enfoncer, tu as tendu ta main et tu l'as délivré. Seigneur Jésus, ordonne que je me rapproche de toi ce soir. Ordonne, comme Pierre s'est rapproché de toi. Je vais me rapprocher de toi. Seigneur Jésus, ordonne que je me rapproche de toi ce soir. Là où je suis enfoncé, Seigneur, retire-moi. Là où je suis enfoncé, Seigneur, retire-moi. Seigneur, retire-moi. Seigneur, retire-moi. Seigneur, retire-moi. Ne m'abandonne pas. 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 Seigneur Jésus, je vais m'approcher de toi. Je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Oh Seigneur Jésus, je vais faire ta volonté. Je vais marcher selon ta parole. Je vais mettre tes commandements, tes lois, tes ordonnances en pratique. Parce que je prends plaisir à ça. Seigneur Jésus, donne-moi la force. Allez jusqu'au bout. Donne-moi la force. Allez jusqu'au bout. Donne-moi la force. Allez jusqu'au bout. Seigneur Jésus, retire de moi les faiblesses, retire de moi la lourdeur, retire de moi l'assoupissement, retire de moi la mort spirituelle. Seigneur Jésus, toute maladie qui se cache dans mon corps pour m'empêcher de faire ta volonté, d'aller plus loin, de me lever dans la prière. Seigneur Jésus, tu ne m'as pas créé malade. Je donne, j'ordonne toute maladie qui règne dans mon corps, depuis la tête jusqu'à la plante de mes pieds, pour m'empêcher d'aller de l'avant. Sortez de moi, 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 maman tes malédictions, sors de moi, maman toutes tes condamnations, sors de moi, 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 sors, 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 sors. Sors, toutes tes semences dans ma vie est brisée par le sang de Jésus. Toutes tes semences dans ma vie est brisée par le sang de Jésus. Toutes tes armes que tu utilises contre ma vie est brisée par le sang de Jésus. Est brisée par le sang de Jésus. Est brisée par le sang de Jésus. Là où tu es logé. Tu reçois le feu, tu reçois le feu, tu reçois le feu, tu reçois le feu. Sortez de moi, 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 sortez, 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 tout ce que nous avons lié, dans le sang, je donne. Tu sais que
Je la détruis au nom puissant de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Voici ma vie. Voici ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Je te donne mon esprit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais de moi la personne que tu veux. Fais de moi la personne que tu veux. Seigneur Jésus, Seigneur, je ne sais pas marcher. Je ne sais pas marcher. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi. C'est toi qui connais tout chaud. C'est toi qui connais tout chaud. Seigneur Jésus, Seigneur, tu connais mes faiblesses. Tu connais mes faiblesses. Seigneur, Seigneur, si je suis venu, si je suis venu, c'est pour aller au ciel. Aller au je n'ai pas venu pour t'adorer, pour aller en enfer. Seigneur Jésus, je viens pour aller au ciel. Seigneur Jésus, regarde dans ma vie tout ce qui ne va pas. Seigneur Jésus, révèle à moi et donne-moi la force à ranger ma vie. Donne-moi la force à ranger ma vie. Donne-moi la force à dominer sur le péché. Donne-moi la force à dominer sur le péché. Mets le dégoût du péché dans mon cœur. Mets la haine du péché dans mon cœur. Mets la haine du péché dans mon cœur. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole. Entre la lumière et les ténèbres. Seigneur Jésus, je suis ton enfant. Oh Dieu, ne permets pas que les ténèbres m'engloutissent. Seigneur Jésus, tout ce qui est ténèbres dans ma vie, selon le livre de Genèse 1, verset 3, j'ai dit, la lumière soit, et la lumière fut. Seigneur Jésus, tout ce qui est ténèbres dans ma vie, qui va me conduire à la perdition, soit ôté. Soit ôté. Que ta lumière luise maintenant. Que ta lumière rayonne maintenant sur ma vie, sur mon âme, sur mon esprit. Que ta lumière rayonne sur moi. Que ta lumière rayonne sur moi. Seigneur Jésus, que ta lumière rayonne sur moi. De la même manière que Moïse est descendu. Sur ton visage. Seigneur Jésus, je prie que cette même lumière, que cette même gloire rayonne sur ma vie, afin que toutes mes ennemis qui vont me régaler, qu'ils soient frappés par l'aveuglement, qu'ils soient frappés. Qui soit frappé d'aveuglement. Seigneur Jésus, que cette lumière me conduit dans ta présence. Que cette lumière me conduit dans ta présence. Seigneur, par cette lumière, guéris-moi. Restaure-moi. Délivre-moi. Libère-moi. Libère-moi. Seigneur Jésus, si je suis malade, je ne peux pas t'adorer. Seigneur Jésus, les morts ne pourront pas t'adorer. Seigneur Jésus, cette maladie, je sais, ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la mort. Pour la gloire. C'est pour ta gloire. Non. Et pour ton nom. Seigneur Jésus, libère-moi. Libère-moi. Délivre-moi. 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 Là où il a enchaîné mon âme. Seigneur Jésus, délivre mon âme. Délivre mon âme. Délivre mon âme. Selon le livre. Selon le livre. Selon le livre. Selon le livre. De Matthieu 28, verset 2 à 5. La vie déclare. Il y a un tremblement. Car un ange de l'éternel est descendu. Au Père. Ils sont tombés comme un mort. Et la pierre est roulée. Et le Seigneur Jésus est sorti. Vivant. Seigneur Jésus. Tout prison. Dans lequel mon âme se trouve. Je trouve. Je donne. Les gardiens de sa prison. Tombe comme des morts. Seigneur Jésus. Que les serrures. Que les portes. De sa prison. Soit brisé. Soit cassé. Soit détruit. Soit détruit. Toute chaîne qui m'a lié de cette prison. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé.
Sois brisé. Toutes les chaînes. Les chaînes. Les chaînes. Les limitations. Les chaînes. Les faiblesses. Les chaînes. Les maladies. Les chaînes. Les limitations. Les chaînes. Des morts spirituelles. Des morts physiques. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Tu ordonnes maintenant. De la même manière. Que tu es sorti. De la prison. De la même manière. Tu es sorti. De la tombe. De la même manière. L'ange de l'éternel. A fait ceci. Pierre. En prison. Seigneur Jésus. Descends maintenant. Et toi, ta puissance de main. Fais-moi sortir. De cette prison. Fais-moi sortir. De cette prison. De la même manière. J'ai fait sortir. Les enfants d'Israël. En Égypte. Seigneur Jésus. Fais-moi sortir. De cette prison. 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 Seigneur Jésus. Je sais mon âme. Je sais mon âme. Je sais mon âme. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Je sais mon âme. Je sais mon âme. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Je sais mon âme. Je sais mon âme. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Toute porte de ma vie. Toute porte de ma vie. Soit couvert. Soit couvert. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toute porte de ma vie. Toute porte de ma vie. Soit couvert. Soit couvert. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Filet d'araignée. Tout ce filet d'araignée. Filet de l'oiseau. Tout ce filet de l'oiseau. Ils ont placé. Toutes les douze portes de ma vie. Toutes les douze portes de ma vie. Soit brisé. Soit brisé. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Soit brisé. Soit coupé. Par le sang de par le sang de Dieu. Tout caméra mystique. Tout radar mystique. Tout canari mystique. Ils ont placé. Là où ils ont invoqué mon nom. Ils ont fermé. Dans ces canaries. Je commande. Les radars mystiques. Les cadenas mystiques. Les miroirs mystiques. Sois brisé. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus. Remplis-moi de ta force maintenant. Remplis-moi de ton esprit maintenant. Remplis-moi de feu. Remplis-moi de ton autorité. Remplis-moi de ta puissance. Seigneur Jésus. Accorde-moi ta nature. Donne-moi ton cœur. Je vais marcher comme toi. Je vais agir comme toi. Je vais agir comme toi. Seigneur Jésus. Je t'en supplie. Accorde-moi ta nature. De la même manière. Je l'ai accordé. À Élisée. Le doux portion. De l'onction. D'Élie. À Élisée. Seigneur Jésus. Accorde-moi ton onction, ta puissance, ta force. Seigneur Jésus, donne-moi la sagesse. J'ai dit dans ta parole. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il te demande. Et que tu l'accordes. Seigneur Jésus. Je n'ai pas de sagesse. Accorde-moi la sagesse. Vous faites ta volonté. Vous faites ta volonté. Je ne demande pas. Vous me glorifiez. Je ne demande pas. Pour la vaine gloire. Seigneur Jésus. Je le demande. Vous faites ta volonté. Vous faites ton œuvre. Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Tout ce qui est mort en moi. Tout ce qui est mort en moi. Reprenne vie. Reprenne vie. Tout ce qui est mort en moi. Tout ce qui est mort en moi. Reprenne vie. Reprenne vie. Tout ce qui est sécheresse. Tout ce qui est sécheresse. Reprenne vie. Reprenne vie. Reprenne vie. Reprenne vie. Renouvelle. Renouvelle. Ma vie de prière. Ma vie de prière. Ma vie de consécration. Ma vie de consécration. Ma vie de jeûne. Ma vie de jeûne. Ma vie de méditation. Ma vie de méditation. Renouvelle-la. 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 Repense-moi. Cette eau pure. Depuis la racine. Depuis la racine. De ma vie. De ma vie. Afin de donner la vie. Afin de donner la vie. Tout ce qui est mort en moi. Tout ce qui est mort en moi. Reprenne vie. 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 Ma grâce. Ma grâce. Ma bénédiction. Ma bénédiction. Reprenne vie. Reprenne vie. Reprenne vie. Reprenne vie. Reprenne vie. Reprenne vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Là où ils ont avalé mes songes. Là où ils ont avalé mes songes. Ça fait que quand je fais les songes. Ça fait que quand je fais les songes. Seigneur, j'oublie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'entends maintenant. J'entends maintenant. Tout est démon. Tout est démon. Tout esprit de chair. Tout esprit de chair. Tout esprit humain. Tout esprit humain. Tout esprit de la sorcellerie. Tout esprit de la sorcellerie. Qui a avalé ma songe. Qui a avalé ma songe. Qui a avalé mes songes. Qui a avalé mes songes. J'entends maintenant. J'entends. Il est vomi maintenant. Il est vomi. 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 Là où ils sont. Là où ils sont. Je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Je la 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 récupère. Toute voile. Toute voile. Ils ont pris. Ils ont pris. Pour voiler mes songes. Je les déchire. 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 Je ramasse maintenant mes songes. Je les scelle dans le sang de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Dieu de gloire. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te dis merci. Je te dis merci. Pour ta fidélité. Pour ta fidélité. Pour la délivrance. Pour la délivrance. La restauration. La restauration. La liberté. La liberté. Que tu m'as accordé en ce jour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons bien que le temps est parti. Donc tu vas étendre rapidement les mains. On va prier pour la fin. Alléluia. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment que tu as permis. Parce que nous, tes enfants, Seigneur, aujourd'hui même encore, tu nous as restaurés, tu nous as libérés, tu nous as délivrés, tu nous as enseigné encore ta parole. Et tu nous as donné, Père éternel, Seigneur Jésus, le bon mets, savoir, Seigneur Jésus-Christ, ton esprit. Tu nous as remplis encore aujourd'hui, Seigneur. Et tu as mis dans nos cœurs cette joie, cette paix avec laquelle, Seigneur, tu vas nous accompagner à la maison. Père, respectivement, chacun de nous avons une demeure. Tout véhicule que nous allons emprunter, nous le plongeons dans ton sang. Tiens le véhicule, accompagne chacun de nous dans sa différente demeure. Père, et que nous venions, Père éternel, dans les jours, demain, après-demain, Père, pour continuer encore ton œuvre. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.